Bonjour, c'est Gigi. Salut, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Bonjour à tous et bienvenue sur Technophage. Ça faisait quelques jours, hein, quelques semaines même qu'on s'était pas eu. Vous nous avez beaucoup manqué. Donc re-bienvenue sur 106.3 Fréquence Paris Pluriel. Et donc ce soir on est avec plein de monde. Pour l'instant ils disent rien, mais vous inquiétez pas, dans deux minutes vous allez les entendre. On dit rien, moi je dis plein de trucs. Voilà. Là il y a déjà la mascotte GG que maintenant tout le monde connaît. Salut GG. Bonjour. Flo, salut Flo. Bonjour. Toujours Manu à la régie. Salut Manu, mais il peut pas nous parler. Et ce soir, nous sommes avec des invités de marque, puisque nous avons Xavier de KSI Records. Salut Xavier. Salut tout le monde. Enchanté, tu parles bien dans le petit micro. Alors, bonjour voilà, micro. Ma fleur. Et son ami comment déjà? Son ami Audrey. Salut aussi son ami Audrey. Et un DJ. Hein, c'est presque une nouvelle mascotte aussi pour nous, c'est la peste. Coucou. Salut la peste. Alors la peste, il est venu sur ce soir pour mettre un peu d'ambiance, déjà comme vous venez de le constater. Et aussi pour faire... Merci beaucoup. Ouais, GG aussi. Mais il est aussi venu pour nous commenter quelques disques, des trucs vraiment super rares que tu as bien voulu avoir la gentillesse de nous amener. C'était pas très français ça, mais on y est presque. Et donc... Donc tu vas nous commenter quelques disques tout à l'heure de ton cru. Mais avant ça, nous allons d'abord parler de KSI Records, puisque Xavier a beaucoup de choses à nous dire. Ah, bon ah oui, sûrement. Tu existes, vous existez depuis combien de temps déjà? Ça fait déjà depuis un an. Oh, dis donc. À peu près. Avec combien de productions? Deux. Deux. Oh deux. Putain, c'est deux, c'est mais chez vous, que là. Du bon, hein, que du bon. Deux vinyles avec quatre morceaux sur chaque vinyle. Ça c'est rare. Alors moi je connais le premier, j'ai pas encore écouté le deuxième parce que le deuxième est sorti il y a pas longtemps dans les bacs. Exactement, elle est sortie début juin. Et le premier que j'avais écouté, il y avait une face drum and bass. Il y avait un petit morceau drum and bass, ouais. Carrément bien. Il faut coller le nez sur le micro, on me dit à la régie. Voilà, c'est ça bien, c'est ça. Et l'autre face donc bien hardcore, quoi, comme voilà. On aime. Donc là ce soir tu nous en as amené quelques-uns déjà. Bah les, ah deux, bah les deux. Les deux. Puisque donc il y a eu deux productions. On sont en route. Il y en a un troisième en préparation. Ça va se faire. Oh, c'était pour mettre de l'ambiance. On n'entend pas la musique de fond là. Oui, ça c'est vrai Manu. Voilà. Ça me perturbe. D'ailleurs, on peut en dire deux mots de cette musique de fond. Ça s'appelle Ultramac. Ça vient d'Angleterre. C'est un label, Ultramac. Oui. C'est le label qui vient d'Irlande. Mais la prochaine aussi. Et Anodyne. C'est l'artiste qui a composé ce morceau. Excuse-nous, hein, voilà. Xavier. Si vous voulez avoir des renseignements sur le label, il n'y a pas de problème, vous nous écrivez, voilà. On vous répondra avec grand plaisir. Ouais. Oui, on a reçu pas mal de cassettes. On a reçu la... Non, mais... On a reçu, effectivement, GG, on voulait en parler après, mais bon, puisque tu insistes lourdement, on a reçu plein de cassettes. Il a bu. D'auditeurs, et on est vraiment super contents, parce que apparemment, il y a des gens qui nous aiment bien. Et de toute façon, tout à l'heure, Flo, on va écouter DJ Sharp, un jeune DJ art techno, bah, oui. Acide techno, quoi. Un très très bon mix. Sharp. Et c'est un, ouais, c'est un DJ qui vient de Lille. On fait pas de pub. Hein. Un jeune DJ, puisque tu connais le principe de notre émission. Voilà. C'est-à-dire freestyle, c'est-à-dire on parle de tout en même temps, comme on fait ce soir. Et un peu comme nos potes de la vague nocturne. Voilà. Je sais pas si vous les écoutez, mais c'est de la barre. Ben non, puisqu'on est là. Bon bref, Xavier, KSI Records. On va en écouter déjà un morceau. Tu nous as choisi un track. T'as vu, je suis voilà. Bilingue. Le premier. Le premier. Voilà. Alors, il s'appelle comment ce premier? 001. On va sortir le disque. Regardez, 001. Voilà. Non, c'est 002 celui-là. 002. Faudrait qu'on m'explique pourquoi dans la techno. Il y a toujours 2-0. Non, parce que dans la techno, tout le monde fait ça et jamais met de, ou rarement met des titres. Tu sais, c'est souvent des 0-0. Hein, non, il y a souvent des titres sur les morceaux. Oui, il y a souvent des titres, mais il y a souvent des 0-0-1. Ça marche souvent par chiffres. Là, je m'enfonce peut-être. Bon, bref, on va écouter le 0-0-1, hein, je crois. Donc, Manu, tu nous l'envoies et on se retrouve dans 2 minutes. Dans 3. Never mind.
Voilà, on vient d'écouter donc le KS6002, morceau excellent avec petit breakbeat hardcore. Tu tires tes vinyles à combien d'exemplaires? C'est des éditions limitées, il faut se les arracher quoi. Exactement, voilà. Ouais. C'est exactement ça, à plus ou moins 10%. À plus ou moins 10%. Ouais. Tu t'en sors? C'est pas facile, on vit pas avec le vinyle. On vit pas avec le vinyle, donc bravo à tous les messieurs du vinyle. Exactement. Qui se déchaînent, qui s'endettent. C'est pour la gloire. Qui se prennent la tête pour sortir du vinyle. Donc participer à leur effort quoi. Bah oui. Disais-je. C'était en déglutissant mes chips. Et vous êtes combien alors chez KSI? Ah, y a pas mal de monde. 400 personnes qui bossent. C'est une grosse SARL quoi. Une grosse SARL. Non, sauf qu'il n'y a pas l'argent. Ah, ça c'est dommage. Comment tu fais pour payer 400 personnes? Non, j'ai pas dit 400 personnes, j'ai dit 4-5. Ah, 4-5. Voilà, c'est le vin qui fait effet. Ah ouais. Effectivement, on a des petits problèmes de micro. Il faudrait qu'on communique par satellite maintenant, tous les deux. Ah bah, sans le téléphone, vas-y, ouais. C'est parti. Vous êtes 4-5, donc c'est pas mal quand même. Hein. Ouais, ouais, ça tourne quoi. Et qui fait quoi? Bah, tout le monde fait un peu de tout, de la musique. Vous tripotez tous les machines en même temps? Exactement, la tripoter, on aime bien. Ça, c'est un truc. Surtout les machines. Bah heureusement pour faire de la techno, vous me touchez les machines. Dans le même genre. Non, non, mais je cherche des bonnes questions là. Et bah tiens, avant de trouver une bonne question, on va écouter un deuxième morceau. Voilà, toujours bel enchaînement. Facile. J'ai de la recherche. Et pourquoi tu l'as choisi celui-là? C'est toi qui l'as fait, non? De quoi? Le deuxième morceau qu'on va écouter dans pas longtemps. Non, pas du tout, justement. Pas du tout, moi, mais il est bien. Donc, Il est bien, donc on l'écoute tout de suite. Voilà, quoi. Exactement. Ritual of blood on the burning, served by a cruel and fighting.
A été fait par Atomic, mon ami Atomic, Compressor, vous pouvez reconnaître le style, et bon, il y en a pas deux comme ça. Ouais, c'est vrai donc, qu'il était pas mal. Non, il est mortel, quoi. Un petit hommage à El Kadji, que j'adore aussi. Ouais, voilà, quoi. Bon, on va et donc le troisième est en préparation, là. Le troisième est en préparation, tout à fait. Avec un... Donc Flo chuchotait, première phase, tout le monde a entendu qu'il faut la première phase. Donc c'est du deuxième, là, la non, première non, phase du deuxième. C'est du premier. Et quel, lequel on vient d'écouter? Celui qui est sorti il y a combien de temps déjà? Mois de mars. Mois de mars. Ouais, début mars. Ça va vite, hein? Bah, on aimerait bien aller plus vite encore. Ça va vite? Grave. Et l'accouchement n'a pas été trop difficile? Ah, non, mais il n'a pas fallu 9 mois, quoi. Il a fallu 3 heureusement. Ans. Heureusement. Ah, oh là! Comme les éléphants. Et toi, t'en as fait combien des morceaux là sur ces deux merveilles? Ah, oh, bah j'ai un peu près. Ça a participé énormément. À tous les... Ouais, tous les morceaux. Tous les morceaux. Ouais. Non, sauf celui-là qu'on vient d'entendre, le dernier, là, puisque c'est Atomic. Et vous en avez vendu combien? Ah, je pourrais pas te dire, ça doit toucher 350 000. Ouais. Combien? 350 000. Non, mais la vérité vraie. La vérité vraie? Ouais. 350 000. Je sais pas du tout, là. Mais c'est les séries de 500, donc ça dépassera pas 500. Bon. Automatiquement. Vous allez pas être milliardaire, mais bon, c'est un bon début. Ah, de toute façon, la techno, c'est l'avenir, alors. Ouais. Un jour, tu seras riche, tu verras. Merci. Et là, tu repenseras à Technophage. Une petite émission. Bon, on enchaîne avec... On peut être nostalgique deux minutes, dis donc. Énergie à la bourse. Moi, je m'endors. Ouais, peut-être qu'on va griller énergie à la bourse un jour. Ouais, mais ça, faut émettre hors de vos limites. Ouais. Nous verrons ça plus tard. Parlons donc de KSI, toujours. Non, 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 non. Et écoutons donc ce morceau. Flo nous pète un petit plomb, là. Hein. Et puis, écoutons donc ce deuxième morceau, Manu. S'il te plaît, à la régie. Ouais, le troisième, c'est bien sûr ça. C'est pour voir si tu suivais. D'accord. Et on se retrouve dans quelques minutes pour parler des petites infos, tout ça. Quoi. Voilà, écouter quelques disques qui sont vraiment très très bien. Voilà. Et puis, il y aura même un petit concours pour gagner des entrées. Ah bon ? VIP, ouais, non. C'est une petite surprise. Enfin, on en reparlera dans 3-4 minutes, le temps d'écouter le cas ici. A tout de suite. We'll be right back.
Voilà, on vient d'entendre Anton Chara. Zara. Chara. Et il était carrément excellent. Hein, je crois qu'on peut le dire. J'espère que ça a plu à nos auditeurs qui doivent être en train de chercher la teuf Underdome. Hein, qui est en ce moment. Ou... Oui, qui doit avoir lieu hein. Là en ce moment, mais on va pas tarder à y aller nous aussi. Oui, on va pas tarder. Hein. Surtout la peste qui doit mixer là bientôt. La petite peste. Il y a les super live aussi. Hein. Il y a les ouais, faut que tu te dépêches. Hein. Guaca, il y a Tommy Compresseur. On l'a ouais. Mais ce soir, il y a d'autres teufs aussi. Hein. Oui, il y a quoi ? Il y a une Furious, je sais pas où. Il y a une autre teuf gratuite sur l'île aux Cygnes. Puis il y en a une autre organisée par les psychiatriques. C'est un sound system qui s'appelle Nord Escort. Donc avec DJ Jeff, Hamas, Janro et Yod. Voilà pour cette semaine, pour la fête de la musique. Il y a même une teuf payante pour la fête de la musique. Ah ouais, oh. C'est quoi ? Je crois que c'est Magic Garden. Ah ouais. Ouais, bon, bah, de toute manière. Elle est à Paris. Bah, allô. En tout cas, elle est payante, c'est bien. Ouais, merci Magic Garden. C'est bien ouais. Pour la fête de la musique. Mais, très bon esprit. En tout cas, ils ont des très beaux flyers, Magic Garden. Hein. Quoi ouais, qu'on en dise, ils ont bah, vraiment des très beaux flyers. C'est pour ça qu'ils font payer l'entrée après. Et alors, il faut bien qu'ils vivent, soyons tolérants quand ils même. Ils ont qu'à faire des photocopies, faire des entrées. Mais c'est la fête de la musique. Bon, mais les autres iront à Underdome. Oui, c'est vrai. Les transports en commun sont ouverts toute la nuit. Donc si vous êtes chez vous là. Ouais. Si vous êtes chez vous et que vous voulez aller vous balader à Paris, n'hésitez pas à prendre le métro. Et puis, hey, je peux finir ma phrase. Il y a des taxis aussi. S'il vous plaît. Je suis désespérée, là. Donc, il y a les métros ouverts toute la nuit et ils sont gratuits. Donc, vous pouvez y aller, sauter dans le bus et aller à l'Underdome, par exemple. Donc, l'Underdome qui est gratuite avec trois plateaux, trans, techno et hardcore. Super. Voilà. Bon, bah, cette semaine, bon, bah, à part les free parties et la Magic Garden, voilà. Payante. Sinon, pour la semaine suivante... Le 28 juin, jour de l'Europride. Oui, exact. Il faut tous y aller à l'Europride. Donc il y a un super concert avec Jimmy Somerville, Dead or Alive. Ça va être mortel. Yvette Horner. Mais bon, à côté de ça, on a deux soirées intéressantes. La première, c'est une free party organisée par Network 23, donc le label, et les Furious. L'infoline pour se rendre à cette soirée, c'est 3672. Ensuite, vous faites étoile, vous faites le 1. 45 89 63. Je répète, 36 72 étoile 1 45 89 63. Ensuite, on a une deuxième soirée. Toujours le 28. Le 28, ouais. Un nouveau concept hein, assez intéressant qui mélange du son et des expos d'art, des performances artistiques, enfin bon, tout ce qui touche à l'art et à la techno. Et ça, c'est les gens de LT, donc. L'association Esprit Libre Technologique que nous avons reçue lors de la dernière. C'était avec Julien et Alex, d'accord. Qui sont les principaux. Il y a un beau plateau aussi là. Ouais, un beau plateau DJ Craft, Technos des Technocrates, Locus Pocus DJ Squad, Emric des Furious, Loïc de Nova, Manga de LT, Zoon, Manu de LT, Anne de KGB. On a aussi un son jungle avec Willy Man et Jeff Zorba Tribe, et des lives, les boucles étranges, ouais. Des perfos DJ Redou, puis après les expos peinture, des défilés et des performances artistiques. Donc on remercie déjà toute l'équipe de LT, on donne l'info line surtout. Non, d'abord, il faut dire un truc, la soirée coûte 35 francs, elle ouais. Est en prévente donc, chez Hocus Pocus, ouais. Et sur place, 50 francs. Et c'est sur Paris. C'est sur Paris. Voilà, c'est cool, donc il y aura plein de choses à faire, hein, puisque l'Europride, donc, il y a... Tu veux parler la peste, tu veux dire quoi? Oui, je tiens à dire qu'il y a aussi une fête Cabal, qu'il ne faut surtout pas oublier. Cabal est un des très rares sound system à remis du hardcore pour la Technival du Carnet. Ouais. Ça se déroule dans les Yvelines, il faut chercher l'info, mais c'est une fête Cabal et c'est très bien. Et c'est où ça? C'est... Mais j'en sais rien, c'est dans les Yvelines. Ah, dans les Yvelines, d'accord, excuse-moi, j'ai... Pas bon, oui. Je suis un peu étourdie, 78. Ça. D'accord. Donc, ah oui, je voulais dire, pour l'Europride... toute la semaine là, il y a sûrement des filles et des filles qui aiment les filles qui nous écoutent. Donc pour ces nanas là, il y a un bar qui a ouvert cette semaine et qui continue jusqu'au 28 juin, donc le dernier soir de la Gay Pride.
qui s'appelle Ladies Room. Et vous êtes reçu par Anna. Et donc c'est un bar réservé aux nanas toute la semaine. Donc faut y aller parce que ça va être très cool. Il y a des DJ, Sextoy entre autres, Patrick Vidal, etc. Bon, c'est pas du hardcore, mais c'est ni de l'art techno, mais c'est de la techno quand même. Donc vous pouvez y aller. C'est soirée fashion pour les filles. Soirée fashion pour les filles. Et puis, donc, qu'est-ce qui se passe encore le 28? Il doit y avoir d'autres choses, non? À part les grosses fêtes. Bah ouais, je pense, mais bon, je suis pas au courant. Mais on va tous y aller à l'Europride. Hein, ouais, l'après-midi, ça peut être cool. Il y a les technocrates qui doivent poser un son. Il doit y avoir le son de Dôme aussi qui doit venir. Donc, il va y avoir pas mal de techno. Ouais, ouais, il y a plein de techno. Entouré de 350 000 personnes. Des chars partout. Amateurs de house. Non, mais il n'y a pas que de la house. C'est, vraiment très très bien. Les gay pride. Les technocrates, excusez-moi, ils mettent un écran géant. Pourquoi ? Ouais, ils diffusent des images de Nintendo, non, je crois. Wipeout. Ah, d'accord. Quoi ? Qu'est-ce que tu as dit, la peste ? Culture informatique de la peste. Là, il s'est trouvé con, là. C'est ce que je veux dire. Oui, on a... Non, non, ils sont pas sponsorisés, les technocrates. Et qu'est-ce que nous avons d'autre aussi ? Moi, j'ai, comme je vous disais tout à l'heure, une soirée, j'ai quelques invitations VIP à vous offrir. C'est pour à l'occasion de la fête du cinéma, la sortie du film Club to Death, qui est donc il y a une BO un peu house techno, donc culture techno toujours. C'est Yolande Zoberman qui a fait ce film. Putain, elle tourne plein de films. Voilà, donc ça sort le 25 juin et le 26 juin, il y a une soirée open bar qui se déroule à Ivry-sur-Seine. Et si vous voulez gagner, si vous voulez avoir des places VIP, vous téléphonez à Carole, K-R-O-2-L, et au 01 44 78 82 74, je répète, 44 78 82 74, et elle vous donnera des entrées VIP. Vous téléphonez de la part de Technophage. Il y a Gégé qui voulait nous dire quelque chose, je crois. La mascotte. Qu'est-ce que tu voulais dire, Gégé, la mascotte ? Bah, approche du micro, approche ton petit nez pointu. Et parle, mets ta bouche sur le micro. Je sais pas ce que mais t'étais en train de parler, péter de rire et tout. Tu peux nous raconter la blague que nous a racontée Nana arrière. Ah oui, ouais, une petite blague, bon, séance blague. Alors, technophage. Blague. Qu'est-ce qu'on regarde à la télévision 14 PD? On n'a pas compris là. Qu'est-ce qu'il regarde à la télévision 14 PD? 14 PD en même temps, qu'est-ce qu'il regarde à la télé? Voilà. Et un 4, 7 sur 7. Superbe, sublime. On est époustouflés. Elle arrête. Mais non, non, c'est non. Bon, bref, maintenant on va sur une petite pause musicale. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, hein, ouais. Qu'est-ce que tu nous proposes? Qu'est-ce qu'on nous propose, Manu? Le Just Listen? Un nouveau label qui a fait déjà deux productions. Le 001, le 002, voilà, ils sont. C'est des concurrents donc, Casey. C'est des gens très sympas qui vont venir bientôt. Florence, c'est des gens qui vont venir bientôt. Ah, on les reçoit, ouais, voilà, à l'émission très à bientôt. Technophage. C'est The Comeback of Technophage. Oui, ce soir, oui, carrément, ouais. Donc, je disais qu'on va écouter un Just Listen, le 002. Ils sont en train de préparer le troisième. C'est vraiment très, très bien ce qu'ils font. Et ils ont pour vocation d'aider les productions françaises et les artistes français. Donc, on les recevra très bientôt dans une prochaine Technophage. Et on écoute tout de suite le 002 à dans 5 minutes. We'll be right back.
De retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, émission Technophage pour les amoureux de la techno, et nous venons d'écouter donc le Just Listen, un nouveau petit label français, très bien, et ça c'est le 002, je vous conseille le 001 qui est vraiment excellent aussi, et que vous pouvez trouver dans tous les bacs, notamment Hocus Pocus. Nos partenaires. Focus, BPM et compagnie. Spirituels. Nos partenaires spirituels. Voilà. De bon, cœur. On va continuer en musique, Flo, avec des sélections que La Peste, notre DJ favori, nous a faites. Donc tu vas nous en parler un petit peu. Pourquoi tu as choisi ces disques et quels sont-ils? Le premier, c'est. Enfin, les deux sont des Somatic Responses. Le premier, c'est Dark LSD, qui est un morceau qui n'a pas dépassé le stade du test pressing. Il y en a 20 exemplaires dans le monde. C'est pas facile à trouver. À Paris, on a pu les avoir via Michel Comte Distribution TNT. Ouais. Et pas via Rubik Distribution, notamment, qui a jamais choisi un disque comme ça, on s'en fout. Et voilà, il faut l'écouter, ce disque-là, c'est du hardcore chirurgical, c'est très 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 beau. Quoi. Mais qu'est-ce que on va l'écouter nous, mais les autres peuvent pas le trouver, les auditeurs peuvent pas le trouver, c'est ça? Mais en fait, il est question de le represser, de dépasser le stade du test, mais ça fait pas mal de temps que ça dure. Sinon, pour les prochaines sorties de Somatic, c'est deux frères de Galois, il faut le préciser. Les prochaines sorties, on pourra les trouver chez Widerstand, qui est le label autrichien qui avait sorti Gual, Heiderherd. C'était des trucs dans le style de Freak, mais en plus ça durait, en plus speed et tout. En plus inaudible, quoi. En mieux, quoi. Donc là, on va avoir un inédit. Là, il va y avoir une guerre. Préparez vos cassettes. Oh, c'est une petite blague. Oh, dis donc. Et donc on va l'écouter. Alors comment Dark LSD. Ouais, redis-nous le titre. Dark LSD. Superbe, je vous le redis, Dark LSD. À tout de suite. Dark LSD sorti sur Dark Matter.
Oui, alors après avoir entendu ça, on va entendre un second disque de Somatic Responses, les frères Gallois, les frères Hillet, H-E-A-L-Y. C'est un disque qui est sorti sur UFO, le label anglais, hein, rien à voir avec... Il y a une autre petite info concernant, là, t'as fait une interview récemment dans un petit fanzine qui s'appelle La Horde des Démons, numéro 8, qu'on était distribué cet après-midi, Hocus Pocus, à BPM. La Horde des Démons est un fanzine qui est écrit par un dénommé David, qui vit dans l'Est parisien, et c'est un fanzine qu'on trouve très rarement, dont il faut faire des photocopies pour qu'il perdure. C'est-à-dire ? Tu fais des photocopies et tu le remets en distrib. Et tu perdures comme et ça. Et tu perdures. Bon. Donc, mais tu nous parlais juste avant de ton deuxième disque, de ta deuxième sélection. Oui, c'est un Somatic Responses qui est sorti sur UFO 5. Qu'on trouve encore ou pas ? Qu'on trouve encore, oui. Bon. Alors, est-ce que Manu est prêt ? Chez BPM, faut le préciser. De quoi chez BPM ? Le disque. Le disque, il est donc chez BPM. D'accord. Donc on va l'écouter tout de suite. À tout de suite.
retour sur Fréquence Paris Pluriel. Technophage. Technophage. Pour les mangeurs de techno. 106.3. On vient d'écouter donc le UFO 5 chez Somatic Responses. Choisi très justement, très judicieusement par la peste. Qui va courir pour aller mixer à la Underdome. Voilà, donc on espère tous vous y retrouver parce que nous on va se quitter maintenant. Ouais. Il est tard. Mais la semaine prochaine. Mais avant, on va écouter, on annonce quand même maintenant le mix de DJ Sharp qui est un DJ de Lille. Mais avant ça, tu voulais nous dire que la semaine prochaine, on va écouter... Non, la semaine prochaine, c'est une spéciale jungle, drum and bass. On accueillera sûrement Willy Man ici. On aura ce grand honneur. Sûr. Oui, il va venir. Et sinon, une dernière petite info. Pour ceux qui veulent nous envoyer des cassettes, vous adressez tout ça à Fréquence Paris Pluriel, 129 avenue du Président Wilson, oui. 93 210 La Plaine-Saint-Denis. Voilà, comme beaucoup de gens déjà qui ont... Voilà, mais on cherche plus des mix techno, acidcore, hardcore et... cybercore. Non, tout ce qui est expérimental, on va dire. Et tout ce qui est expérimental, voilà, même de l'ambiante. Joli, on est sacro. Ouais, même de l'ambiante parce que nous, on aime bien. Voilà. On va de l'ambiante au hardcore, on va dire. Et en sautant quelques étapes, genre Goa. Sans passer par la Goa. Voilà. On est désolé, on aime beaucoup, mais pas dans Technophage. Donc, en tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. Ah bah non, mais c'est vrai, on aime beaucoup, mais pas dans Technophage. Donc, nous, on a. Donc on vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Donc Florence, la mascotte GG, Xavier de Kaïssi, La Peste, ma sœur Emmanuelle qui est venue nous accompagner, que je n'ai pas citée tout à l'heure, mais elle est là avec nous, elle nous a soutenus. Et puis GG, la mascotte, va nous dire le mot de la fin avant d'annoncer notre mix de tout à l'heure. GG, on t'écoute. Je voulais dire bonne fête de la musique à tout le monde. Merci GG. Il est mignon. Et bon anniversaire GG. Bon anniversaire. Ah là là. Et à la semaine prochaine. Ciao à tous.
marrant ça. Hein? À la semaine prochaine.